les obligations du pèlerinage. Celui qui délaisse une de ses obligations devra la compenser par le sacrifice d'un ovidé qui lui est interdit à la consommation. Se sacraliser depuis le lieu de sacralisation, al-miqat, la station à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui s'y tient le jour, passer la nuit à Muzdalifah, passer les nuits de Tashriq à Mina, la lapidation des stèles, le rasage ou la coupe des cheveux et le tawaf d'adieu, sauf pour la femme en état de règle de l'Oshi, pour celui qui veut quitter la Mecque même après les mois de pèlerinage. Les repères mawaqit du pèlerinage et de la Umrah. Nous avons des repères temporels et des repères spatiaux. Tout d'abord, les repères temporels. Ce sont les mois de pèlerinage. Shawwal, Dhul-Qi'dah et Dhul-Hijjah. Ils concernent uniquement le pèlerinage, la Umrah n'ayant pas de repères temporels. Les repères spatiaux. Dhul-Hulayfah pour Médine et ceux qui y passent. Al-Juhfah pour le Sham, l'Égypte et le Maghreb. Qarn al-Manazil pour le Najd. Yalamlam pour le Yémen. Zatou Irq pour l'Irak.